papa. Moi, je n'en peux plus. Il se passe quoi? Franchement, je suis à bout. Mais pourquoi? Mon mariage, là, me fatigue, papa. Comment ça? C'est pas mon mari, non. En plus de ne pas me respecter, là. C'est l'homme le plus infidèle de toute la terre. Ma chérie. Ça seulement, je n'en peux plus. Non, là, ma fille, tu as raison. Ça en est de trop. Lui, il est qui pour te manquer de respect. Mariage, là, aujourd'hui, dès cet instant, c'est la fin. Maman, Nangaï. Ah bon, hein? Il va m'entendre. Allons-y, je suis pressé, même. Oh! Regardez ce qui va se passer ici. Je te fais appel pour que tu remettes cette enveloppe de 1 million à monsieur Tutubatu, mon beau papa. Non, il n'a pas besoin de gaspiller son carburant pour ça. Moi-même, je suis là. L'Afrique est mal partie avec des gens comme vous. Et bon papa, mais dis donc, quelle surprise! Alors, que me vaut le nom de cette visite? Ah non, y a rien de grave. Hein. Voilà, j'étais juste de passage et puis j'ai vu ma fille. Et puis bon, on va rentrer te dire bonjour. Ah non, non, c'est pas vrai. Ah, c'est bon ça. Hé, hé, hé. Je t'ai rien demandé, tu te tais. Yeah quoi? Tu te tais. Tu ne lui coupes pas la parole, tu as entendu? C'est pourquoi je suis venu te dire bonjour. C'est pourquoi je suis passé. Non, 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 non papa, il est fidèle, je venais de te raconter. Hey. Il est infidèle. Seigneur. Ma chérie, il pleut partout, hein. Il pleut partout, hein. Plus de Ouaga 2000, les chiffres, plus de temps pluie. Tu as entendu? Le mariage, là, c'est le malheur et le bonheur. Donc, sinon, c'était moi, hein. Allez, rentrez bien, beau papa. C'est pas clair, cette affaire-là. Tu vas où? Moi, ma gare. Faut pas me suivre, y'a pas place chez moi là-bas. Ça guérit même fini, même en deux jours, toi tu vas venir, moi et mon sac guérit encore. On verra bien.